Et salut tout le monde, c'est Broudaf et nous sommes ensemble avec Chobiti pour un nouvel épisode. Coucou Chobiti! Coucou Bourdaf, coucou tout le monde. Alors, il fait jour donc on va pas aller voir les tombes. Moi, je voulais soigner l'arbre, j'ai vu que je pouvais, j'ai une étincelle de vie que j'ai été choper chez Bleu Follet, comme quoi ça sert à quelque chose. Oh bon, moi il y en a une, je crois que je l'ai mise dans ma dans un des paniers. Oui, on va dire que c'est pas mal. Alors, créer un hybride d'aiguépine offensive, comment on fait ça? De ce que j'ai vu, faut de la chance. De la chance, qu'est-ce que la Ouais. chance à avoir là-dedans? Bah, il y a un moment, tu plantes les trucs et les trucs sont contents. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas comment tu le fais exactement. Je sais que j'ai déjà eu justement Parce sur que ma là, tu partie vois, solo, alors, des choses qu'on poussait et qu'on... on n'a pas la recette là, mais l'amarante, on pourrait la transformer en ancienne amarante, par exemple. Ouais, mais ça doit être parce qu'on en a planté! Ah, bah voilà, on peut faire ancienne, géante, sauvage ou abondante. Abondante. Sympa. Ouais, mais je crois que c'est tout verrouillé. Oh non! Ah, c'est les trucs qu'il faut déverrouiller là avec les esprits. En arcane. On a 4 points en arcane. On pourra faire les coutumes ancestrales, découvrir de nouvelles recettes de nourriture et de remèdes. Ou alors transformer des plantes adultes en d'autres variétés de votre jardin. Bah, je pense qu'on va faire ça. Voilà, adaptation. Et maintenant, bah voilà, on peut transformer. Alors, on peut pas la transformer en abondante, mais on peut la transformer, par exemple, en sauvage, en géante ou en ancienne. Je vais en transformer une en ancienne pour voir. Il y en a une autre que je vais transformer en géante. Voilà, et puis celle-là, on va la transformer en sauvage. Transformer les cactus en géants, en espérant qu'ils nous filent plus de bouffe. Plus de bouffe, plus de bouffe. On a faim. Non, c'est pas ça. On peut les remettre en normaux après. Ça coûte que de l'essence à faire. T'as soif, toi? Comment ça se fait? Je veux pas me faire attaquer par des spectres, ils vont nous arriver dessus. Oh, ils vont t'arriver dessus, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour celle-là? Tombe. Non, c'est pas le portail que je veux. Enfin, si, je voudrais y aller, mais. Des graines d'amarante, des graines de source bois, de l'eau et de l'essence. Est-ce que j'ai ça sur moi? De l'amarante, du source bois. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, allons-y. Hop, j'ai faim. Non, mais genre, j'ai faim. Qui est-ce qui a faim? Alors, pouf, pouf, pouf. Oh, un bleu follet! Ah non, 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 laisse les bleus follets. Ah, mais il est tout petit, tout mignon!
Ah non, 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 moi je préférais qu'on avance dans les quêtes ou qu'on sorte les tombes pour déverrouiller des points. Ouais, c'est en train de faire une tombe là. Tu fais laquelle, incrusté de cristaux ou tombe humble? Tombe humble. J'étais sur la cristaux de sel. Je Ah m'occupais bon? des jardins qui insufflaient leur pouvoir dans de grandes œuvres autrefois, mais tout a fini par se consumer. Et il faut qu'on le Alors, dépose sous un sorcebois adulte. bleu ciel, graines d'amarante et tiges de régenant. Et du coup, la En source qui est plus. là, j'imagine qu'elle n'est pas purifiée. Je sais trop. Toute burk. Voilà, déjà. Ça va être un peu mieux. Ensuite. Pof, pof, pof. Tu prends quoi? Oui, ça me va, ça me va, ça me va. Ben voilà, ça sera déjà mieux. Petit bleu follet. Regarde, j'ai réparé la source juste à côté de toi. Alors, tu veux manger quoi? Je préférerais que tu manges ça en fait. De l'eau. On n'a pas de tige de régenon en Wow, stock. donne. Si, on en a. On en a dans mon inventaire. Et t'aurais pas du bleu ciel aussi? J'en ai deux. Ah voilà, fleur de lys de bleu ciel, je l'ai trouvé. Et j'ai du régenant. Alors maintenant, il est où ce foutu fantôme? Enfin, cette tombe plutôt. D'où vient où tu l'as découverte, la tombe? Je t'avoue que là j'ai fait avec les invocations d'esprit plutôt que. Alors est-ce que la quête s'est validée? Oui, je pense qu'elle s'est validée. Ouais, bah je crois que je vais faire pareil, je vais invoquer les esprits si je trouve où faut le faire. Oh, tu nous as validé un succès. Je fais ça moi. En tout cas, je viens d'avoir un succès alors que je faisais rien. Bon, je passe avec les gamins pour les viewers. Ça m'arrangerait bien aussi de les avoir moi dans le jeu parce que. Avec tout ce que tu nous as foutu, j'arrive pas à trouver où on invoque les esprits là pour savoir où ils sont. Ah ben, j'ai fait des bébés chemins pour qu'on puisse déjà un petit peu mieux voir. C'est là. Faut que je fasse un chemin qui aille jusque là. Ah, c'est oui, c'est voilà. Ok. Alors. Allez, je vais faire un fantôme de survie. Est-ce qu'on les voit les trucs sur la carte du coup après quand on fait ça? Normalement, oui. Je le vois pas en tout cas. Oh, je pourrais l'upgrader en chemin de pierre.
trop cool. A priori, c'est plein nord. Hein, plein nord. C'est vrai que je vois pas grand chose. Je vois rien sur la carte plein nord. Hein. Après, c'est peut-être dans une zone qu'on n'a pas découverte qui me l'envoie. Ouais, c'est pas impossible. Ah, mais attends, si, maintenant j'en vois une. Mais elle est. Ah, ouais. Allez, on va y aller à pied parce que tant pis. Parce que tant pis ? Quoi ? Bah ouais, j'ai un peu peur que je prenne un téléportail et qu'en fait après je sois au-delà, donc faut que je revienne en arrière et tout. Mmh. Un truc chiant quoi. Ok, il y a une stèle par là. Donc, écoute, moi je vais sortir et je vais essayer de survivre hein, parce que je vois qu'il y a des monstres. Des monstres ! Mais on essaye de m'empoisonner, on essaye de me faire mourir, quelle honte. Ah bah c'est celle que j'ai faite, c'est une salle verte. Celle où tu vas. Bah c'est une stèle, ouais. Oui mais c'est un fantôme de survie, c'est une salle de survie que j'ai déclenchée. Ah bah attends, je vais aller à l'autre. Celle qui est de l'autre côté. Je crois que c'est... Je vais être de l'autre côté, du coup. Si tu fais déjà celle-là. Oh bah, le temps que j'y aille, t'as le temps d'en faire une ou deux, j'ai l'impression. T'as été chanceuse au niveau des... pour trouver le bon TP. Ouais, ouais. Allez, par là. Ok, c'est légèrement toxique. Oui. Ouais, c'est rien, ça, toxicité. Alors, je suis où? Je suis ici. Le poison ne te tue pas. C'est un peu ça, ouais. Alors. Après, faut arriver à survivre avec un point de vie. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire, c'est... On peut faire... Ah non, on peut pas faire ça parce que je veux pas me battre avec un champignon brel. Hein, c'est pas trop le deal. Voilà. Non mais bande de méchants qui m'attaquent. Alors, j'en étais. Ah, je voulais faire un petit totem purifiant. Pour pouvoir être tranquille. Voilà. Bonjour, tombe. Ah oui, mais du coup, j'ai pas ni fleur de splendide de la lune, ni figuier de l'oracle, bien évidemment. C'est pas grave. Est-ce que j'en ai pas encore sur moi? Ah, figuier, j'ai pu. C'est pas grave. Dites-moi que j'ai un gland. Oui, j'ai un gland. Voilà, le téléportail est restauré. Ça, c'est bien plus important. Et la source? La source est censée être par là. Gâteau. Gâteau. C'est bien aussi, gâteau. Gâteau. Je suis censé être juste à côté. Où es-tu? Où es-tu? Hop, je purifie la source. Et je peux l'éveiller. Je peux l'éveiller, je peux l'éveiller. Voilà. Je crois que je peux pas. Tombe vétuste. Ah oui, c'est ça, oui, il te faut des fleurs. De la lune et des figuiers, ok. Donc c'est celle qui m'indiquait, d'accord. Bah parfait.
Ouais, mais sauf que j'ai pas les bons. C'était pas celle que je visais en fait. Ah zut. Du coup, j'ai pas les bons trucs pour le pour la faire. Ah, ça va revenir. Des brumbelles, de la marrante. En tout cas, c'est sympa, cette espèce d'effet zone ville abandonnée. Du coup, il faut quoi déjà pour mon petit cerveau? Des splendides de la lune et des figues de l'oracle. Ok. Et les fleurs de la lune, je commence à en avoir un petit peu. Sans doute pas assez, mais des figues de l'oracle, bah écoute. De lampe, C'est c'est déjà le bien. matin. Bah ouais, c'est déjà le matin. Ah non, mais c'est pas une. Alors, des fibres Alors, végétales, hop, je retire les cadeaux. gamins. Pierre de cristal, obsidienne, obsidienne. Ah là là. Promenons-nous dans les bois pendant que les spectres y sont pas. Je crains être en forme, effectivement, je plains les viewers. Je suis désolée. Ah! Au secours! Allez, On se fait attaquer! quelque part je plains surtout le cygne, hein, parce que c'est lui qui vit ça à plein temps. Hein. Oh, si peu! Vous êtes nombreux, les gars! Je vous ai fait une tempête de flammes sur la tronche et il en reste encore! Des fragments d'eau, c'est du grès. Non, mais donne-nous des figues! On veut des figues! Par là, les figues, c'est les arbres oracles qui enfilent. C'est quoi ça? Porte de la ville. Des brumbelles. Comment ça, sac plein? Sac plein? Comment ça, sac plein? Et où je vais aller, moi, avec mon sac plein? À la maison. C'est un peu ça, ouais. Des trucs à manger. On peut manger ça. On peut manger ça. On peut manger. Tu dis que c'est pourri? Ah, c'est pourri. Oui, je peux manger ça aussi. Paf, voilà, c'est plus pourri. Alors, le portail qui est là-bas, ça serait bien de pouvoir le débloquer. Est-ce que j'ai un gland? J'ai un gland. Je sais pas du tout où il est, mais hop, hop. Ah, il a l'air d'avoir une porte. Grimpons, grimpons. Il grimpe plus vite que moi! C'est faux. Attends, mais j'ai lancé ma plante grimpante et. Tant qu'elle grimpe. J'étais déjà en haut. Oh! Serait-ce un fantôme? Un fantôme, un fantôme. Bonjour, petit fantôme! C'est celui qu'on a à qui on a déjà parlé, non? Bah, je suis pas sûre parce que il y a le TP, c'est pas celui que j'ai activé. Bah, non, celui-là, on peut lui parler. Ah, le symbole d'Abel ouvrière. Qu'est-ce qu'il dit?
Mon rôle, c'est plutôt de rester à mon poste sans remuer d'un pouce. Ça y est, tu l'as réactivé? Normalement, ouais. Ça va être marrant. Alors... Non, matin, au secours! Chouchou, t'as pas si peur que ça? Ah, il reste plus qu'un. Meurs! Bah, t'es parti où toi? T'es pas parti à la maison? Si, si, j'étais prête à prendre le portail et puis. Flouf! Ils ont pas aimé que j'active le portail! Ah! Ça doit être ça. Et il est possible que le fait que. Que je sois légèrement toxicifié. Peut-être que c'est pas trivial de prendre le portable. Voilà. Alors, mangeons un peu quelque chose qui se mange. Il y en a plein dans les paniers. Oui. Je peux plus en manger. Comment ça, je peux plus en manger? Moi, je veux en manger. Je veux en manger. Oui, bah, je vais faire un cataplasme plutôt. Ah, bah, il faut de l'épine pour faire de le cataplasme. Une grenouille, grenouille, chère grenouille. Et il y en a dans les coffres. Et tout est magique, ils sont magiques ces coffres. Ah, il faut des fibres pour réparer. Alors, hop. C'est sympa ça. On répare nos petits paniers là, parce qu'à un moment donné on va tout avoir au sol. Hop, prendre ça, voilà. Donc, un petit cataplasme. Les épines, on en avait juste là. Ouais, j'en ai pris. J'en remettrai. Cataplasme apaisant. Ah, il faut de l'épine apaisante. Oui, ça, effectivement, on n'a pas encore. Et pour l'infusion. Il faut du champignon. On en a des champignons, je suis sûr. Ah bah ils étaient là tous nos régionnants. Champignons. Grenouilles, ils sont où nos champignons? Mais il y a trop d'arbres! Qui est-ce qui a planté tous ces arbres? Alors, le sel de la terre, il nous manque les graines de céleste roche. Ça me dit rien. On en a peut-être pas encore rencontré. Ouais, moi j'ai l'enquête de Naya, il me faut 3 étincelles de vie produites par les bleus follets. Et après, il faut que je retourne la voir. Je sais pas si tu l'as pas déjà validée, celle-là. Non, je l'ai pas encore validée, celle-là. Et il leur faut quoi au feu follet?
Oh, les bleus follets, tu peux leur donner des glands. Ils font des étincelles. Hein. Je crois que c'est parce qu'ils c'est pas très bon pour leur transit, sûrement. Oh, tu crois? Bah, tu connais beaucoup d'animaux qui font des étincelles quand tu leur donnes à bouffer? Non. Bon, j'en ai une. J'en avais mis une dans un coffre, donc elle doit être encore dedans, je pense. Voilà, elle est là. Hop. Donc il me faut encore un bleu follet qui file un gland. Qui sont nos bleus follets? Ah, et passez où ma grenouille? Grenouille! Trois devant. Il y en a deux. Ok. On a qu'un seul bleu follet à la maison? C'est pas impossible. Bah, t'en avais ramené plusieurs pourtant. Bah, j'en ai ramené aux oasis, donc faudra peut-être les. Les ramener. Bah voilà, à non pied. Mais voilà. Et du coup, dans les oasis, on les voit pas sur la carte. Si, normalement, tu les vois sur la carte. Ou alors, c'est un bug qui fait que moi je vois et pas toi. On voit un certain nombre. Grenouille. Comment ça, sac plein? Comment ça? C'est quoi cette histoire? Oui, je peux. Il y a des choses que je peux mettre dans les coffres. Je vais essayer de ranger ça à peu près. Hop. Alors, fleur splendide de la lune. Est-ce que j'en ai en... Oui, j'en ai. Fleur splendide de la lune, c'est fait. Il me manque les figues. J'en ai. Une par terre, là où j'étais. Là. Merci. Merci. Bon, je pense que ma grenouille. Que je pourrais les faire. Grenouille. Par là. Ah oui, mais quand c'est pour le portail, je vois pas les trucs en fait. Ok, alors. Faut que j'aille au portail améthyste. Quoi, je suis plein. Sérieusement. Bah écoute, tu prends ça, je prends ça. Tu prends ça. Je prends ça. Hop. Tu prends ça. Ah, je me fais attaquer. Je reprends ça, je reprends ça, je reprends ça. C'est pas juste, pourquoi tu te fais attaquer? Je reprends ça, je reprends ça. Et du coup, je voulais quoi déjà? Ah oui, des champignons. Bah non, je les ai toujours pas du coup, mes champignons. Par contre, je peux faire ça. Et je vais me gêner, je vais en faire. Bah oui, je sais, sac plein, mais laisse-moi faire toutes mes. Non, je veux pouvoir faire ça. Ah, il a cassé. Bah écoute, on va l'équiper. Alors, hop. Voilà.
On ira le chercher un moment, le petit fripon, mais... Et je voulais... Est-ce que tu veux bien me donner? Non! Ah, les bleus follets, ils t'ont donné des étincelles il n'y a pas longtemps, ils veulent pas m'en donner! Et il m'en manque une étincelle pour Naya. Oh, non! Bon, je vais aller m'occuper de la tombe. Alors, bleu follet. Ah non, j'ai qu'une seule figue, il en faut trois. Non. Cher petit bleu follet. Déjà, tu me donnes ton étincelle et ensuite, tu me suis. Cher bleu ah, follet. J'ai une deuxième figue. Déjà, tu me donnes une étincelle. Et ensuite, tu me suis. Et je vous ramène à la maison. Plutôt par là, en fait. La tombe, elle est pas sur mon chemin. Pas du tout. Si t'as une figue, je veux bien que tu viennes avec moi pour la tombe. J'ai une figue. J'arrive pas à trouver. Je veux une figue. Eh bah, écoute, tu es la bienvenue alors. Je dépose mes bleus follets et j'arrive. Je vais vous déposer là, les bleus follets. Ah bah c'est bon, j'ai la troisième figue. Ah bah. Goûtez toute petite petite source. Pourquoi ? Oui, c'est pas mal. Hop, allez. Je sais pas ce qu'il faut. Est-ce que je peux planter des trucs? Non! Du coup, on continue les bleus follets. Direction la maison. GG! Merci. Et je me fais attaquer! Bande de monstres. En fait, ils m'attaquent pas, moi là, ils sont popés quand j'ai ouvert la tombe. Et après, ils vont en ligne droite, je sais pas vers où. À mon avis, ils vont venir t'embêter toi, on s'en bat. Bah, j'en ai effectivement trois qui ont décidé de venir m'attaquer. Et mes... Ah, mes bleus follets se sont arrêtés. Ah ! Et faut venir me suivre, les copcos. L'idée, c'est qu'on vous amène à la maison. Du coup, on a trois souvenirs de survie, trois des arcanes et trois esprits. Mais je crois que j'ai un parchemin que j'ai looté. Bah oui ! Parchemin des esprits. Oh. Voilà. Allez, on y est presque. Développer une meilleure compréhension de vos amis du règne animal. Allez hop, oui. Mélodie. Non, c'est compagnon. Voilà. L'arnaque, j'ai qu'un bleu follet qui m'a suivi. Bah tant pis. Tu
peux peut-être pas les faire suivre les deux à la fois. Hein. Ouais. Alors, on retourne à la maison. Du coup, tu l'as fait la quête de Naya? Bah, si j'ai la troisième étincelle. Moi, j'en ai une, je peux t'en donner une. Je veux bien, ouais. Quoi? Je vais devoir te donner ma petite étincelle. Merci. De toute façon, ça nous fait avancer pour tous les deux. Je sais plus ce que c'est. C'est celui-là, le portail. Tigre, hop là. Après, peut-être qu'il y en a certaines, t'as vu, qu'on était obligé de refaire chacun notre, ouais. Notre rôle. Hein. Ok, il y a des choses à faire. On n'a pas de... ce beau adulte. Ouais, si t'es adulte, toi. Ah bah oui, voilà. On a un sorcebois adulte pour... un arbre oracle adulte pour... déposer... les cadavres. Alors... papillon de lumière. Voilà. Oui. Grâce à ton aide, le futur me paraît un peu moins sombre. Ouh. Elle va réfléchir. Ben voilà, on avait tout ce qu'il fallait pour enterrer des cadavres. Dit comme ça, ça fait quand même bizarre. Malheureusement, c'est la vérité. Surtout avec un air aussi enjoué. On a tout ce qu'il faut pour enterrer des cadavres. Oui. Les enfants, cet après-midi, on enterre mamie. Oui. Mais c'est super important d'enterrer mamie. C'est dégueulasse. Ah. Du coup. Du coup, je crois qu'il nous reste encore une tombe à faire. Ouais. Alors. Alors, c'est laquelle? Une tombe humble. Graine d'amarante, tige de régenant et bleu ciel. Ça, en théorie, j'ai ce qu'il faut sur moi. Alors... j'en profite pour prier un petit coup. Par contre, je sais pas où elle est cette tombe à la noix. Tu sais où elle est, toi? Ah, ça y est, trouvé. Ouais, il y en a une. Est-ce qu'elle est humble, celle-là? Elle est humble. Vétus. Oh. Ouais. Ah non, c'est pas la même. Et la humble, elle est où? Elle est au niveau des salines. Je sais pas si tu la vois, j'ai fait une petite invocation des esprits, il y a une petite tombe bleue. Ouais, ouais,
ouais, je la vois. C'est celle-là qu'il me faut, ouais. Je vais y aller à partir du portail Cormoran. Ah, et on a une stèle ici. Ok. Je vais gérer la stèle. Non, il va faire jour. Je vais pas pouvoir parler aux fantômes. Non. Fais jamais. Je vais quand même y aller au cas où. La stèle, ça c'est une tombe, mais j'imagine que... Bon, bah j'ai fait la tombe, mais le fantôme n'a pas apparu. Oh, il veut pas apparaître. Un calanoué. J'ai dit techniquement, c'était pas encore éclairé, on sait jamais. Ouais, ça doit être une question de 2 minutes. Oh, bah c'est parfait ça. N'empêche que maintenant qu'on peut voler... Ah, c'est beaucoup plus rapide. Bam. Y a pas photo quoi. Non, faut que j'aille voir Naya pour changer des gouttes bénies. Naya... Ou alors on fait comme si je m'en foutais. Et genre plutôt on va dans les canyons. On va surtout aller à la fin de l'épisode. Oh, la fin de l'épisode! Et oui. Voilà, je reprends le portail, j'arrive à l'oasis et on va pouvoir quitter. Hop là! LOL! T'as pris exactement le même portail que je voulais prendre, du coup ça m'a bugué. Eh bien, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Chobiti sur les jeux du cygne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, à partager la vidéo pour le référencement. Et puis bah, on se retrouve très bientôt. Bye bye Chobiti, bye bye tout le monde. Bye bye Brodaf, bye bye tout le monde.